déjà plus de 30 ans qu'on était présent ici. On a le laboratoire de fromagerie juste derrière, là où on fabrique le Trident, le fromage frais de la Camargue, typique d'Arles. C'est un fromage qui se fabriquait beaucoup il y a un siècle, il y avait des laiteries un peu partout en Provence, en Camargue. C'est un petit fromage au lait de brebis. Et aujourd'hui, on est les derniers dans toute la France à le fabriquer ici à Auvers. On peut même vous le montrer là-bas dans la vitrine. Ceux-là, ils ont été fabriqués hier après-midi. Là, on en a encore en pleine fabrication, je vous montrerai le laboratoire juste après. Et c'est un fromage qui se consomme un peu comme une mozzarella, avec un filet d'huile d'olive, un petit peu d'air de France, du poivre. Je peux manger aussi sur un bout de pain. Voilà, c'est un fromage très polyvalent. Et donc on le fabrique ici, depuis ça fait ce laboratoire-là qu'on a. Cette fromagerie a été construite il y a plus de 30 ans déjà. Et donc on perpétue la tradition ici. D'abord mon grand-père, René, qui il y a 6 générations. Son arrière-grand-mère a fabriqué déjà ce fromage. Et à Beauvais, la même recette qu'elle s'appelait. Elle était née en 1855. Et mon grand-père, toute sa vie, s'est occupé de son troupeau, a fabriqué ce fromage. Lui, il fabriquait grand que ça. Il le servait un peu partout dans la région, à des restaurants, à des petites épiceries, au Saint-Marie-la-Mer, en Arles, également, sur les marchés. Voilà, et puis après, c'est mes parents qui ont produit, en continuant bien sûr sur le Trident, puis tout en développant une ligne de produits frais, des yaourts, la tome, qui est la tome de Camargue, donc affinée et fabriquée ici. Les yaourts aujourd'hui, on fait des yaourts aux fruits, la gourmandise camarguaise, qui est un petit dessert lacté à fleur d'oranger. Donc on a un éventail assez large et tout est au lait de brebis. C'est vraiment notre spécialité. Voilà. Aujourd'hui on travaille également avec une multitude de producteurs de toute la France. On met vraiment l'accent pour avoir des produits qui viennent de petits artisans et de petits producteurs. Ce qui fait qu'aujourd'hui on peut avoir une large gamme, que ce soit en chèvre, en vache et en brebis, de fromages AOP peu connus, qui viennent de petits producteurs, qui donnent vraiment un fromage fermier vraiment excellent. D'Arles et de la Camargue, et une figure de la tauromachie de la région qui était Jean Lafont. C'était un amoureux du Trident, Jean. Il venait chercher le Trident quand j'étais enfant, il venait le récupérer à la maison, à la fromagerie, et lui le consommait, il avait sa recette, c'était le Trident avec un filet d'anchois et un petit peu d'huile d'olive dessus, et lorsqu'il recevait ses amis parisiens et même de la région, c'était un incontournable. Voilà.